Bon, ça drame qui est arrivé aujourd'hui, là, c'est un drame qui ébranle Tamarin complètement. Par rapport à Doris et Coco, alias Lélio. Ça, des jumelins, ils étaient mariés, ils ont vécu quelques années ensemble, ils étaient un garçon 15 ans. Après, ils étaient éventueux, ils étaient séparés. Mais aujourd'hui, en fait, personne ne peut connaître qu'il est arrivé. Un coup qui. Coco, on t'a dit qu'il est Coco, il appelle Doris Coty, il est arrivé. Il y a une discussion, il est arrivé, il est tiré à l'eau. C'est qu'il nous apprend qu'il est tiré à l'eau Doris, après, il est suicidé. Mais Coco, c'est un homme extraordinaire qui fait beaucoup pour Tamarin. C'est une personne qui, n'importe qui est au tape sur la porte, il vient de vous donner un coup de main, il peut aider. C'est un pilier qui Tamarin perdu. C'est un pilier qui Tamarin perdu parce qu'il fait beaucoup, beaucoup de choses. Il fait pour Tamarin, pour les jeunes de Tamarin, surtout pour les sportifs qui sont dans Tamarin. Quand on pose des questions à tout le monde dans Tamarin, je vais raconter quelque chose qui Coco il fait pour Tamarin. Et Doris aussi, c'est un camarade de longue date, une femme mariée correcte. Enfin, par contre, qui est arrivé, qui me passe dans sur la tête, qui me fait ça. Je dis, c'est d'autres enfants qui perdent. Mais c'est très, très dur pour nous et très dur pour, pour Tamarin et. Enfin, pour tout le monde, quoi. C'est très dur, vous pensez, très dur pour la famille Djabou aussi. Parce que depuis l'époque, M. Djabou, Coco travaille avec M. Djabou. Mon camarade, puisqu'il vient un temps passé.